Un petit truc qui va venir. C'est une machine. Ça fait des instruments de minutes. Voilà quoi. Le mec, c'est un ovni. Moi, c'est le seul avec qui j'ai bossé d'autant productif. C'est le seul. J'ai pas compté, mais c'est quoi? Rien qu'avant d'être connu, je crois que j'avais fait au moins 1000 sons. J'ai dû dépasser la barre des 1500, je crois, quand même. En fait, j'ai même pas les mots pour te dire, tu vois, je te dis, il y a trop de trucs, trop de mots, trop de musique, trop d'instru, tu peux pas, en fait, c'est impossible, faut être là, en fait. Faut être au studio, faut voir pour le croire. Voilà, ça bosse ici, au studio. En immersion. Et voilà, en immersion, merci la zone. On peut écouter un peu ce que ça dit là. Ah, je commence toujours par l'instru, par le beat des fois, par une mélodie. Je sais pas, ça dépend. Là, je sais pas, je vais démarrer avec une mélodie, je crois. Tu fais une prod? Ouais, ouais. Vas-y. Ouais, ouais, gros. Moi, c'est un que tru. Et ça passe bien entre les kicks. Arrivé avec un BPM qui tape un peu plus, son pour faire bouger les gens, pour les faire s'enfuir de leurs galères, de leurs problèmes. Donc tu vois, c'est toujours un peu de mélancolie dedans, tu vois. Que le piano que j'apprends sur le tas parce qu'il est là. La guitare, je sais faire des trucs. La vérité, ouais, j'aimerais savoir faire de la guitare. Hein. Je dis dans un sens, j'aimerais savoir faire de la guitare comme un gitan. Je suis dans mon élément, dans le studio. C'est ma vie. En ce moment, on fait par semaine, on se fait des 13 heures. Des fois, ça peut durer jusqu'à 5 heures du matin, des fois. Dans cet album, il a voulu expérimenter plein de nouvelles sonorités. Donc, moi, je trouve que ça lui va très bien parce que le mec, c'est un 4x4. Il est tout terrain, il peut tout faire. Là, j'ai essayé des trucs un peu ricains, genre. Comme avec Nino, lui, il effroce toutes les instrus. Pas comme d'habitude. Tu verras après, je te fais écouter un peu. Une petite jam. Le bruit qu'il a mis. J'aime bien, moi, les sons comme ça. C'est simple, mais. Je vais faire ma pochette ou le premier clip. Il va aller avec la pochette, j'espère. Tous les trucs que j'ai gagnés, toutes les certifications, en fait. Combien j'ai sorti d'albums payants? En payant 15, non? 15 en tout. Je crois. Les 15 ont tous été disques d'or et platine. Moi, ce que je voulais faire, c'est les mettre tous. Ouais, tous sur la pochette. Tu vois, un peu de partout. Ça tuerait. Un bon chiffre, ça te donne la confiance. Tu es bien dans ta vie. C'est ça. Tu as l'esprit positif. Tu fous n'importe quoi, il peut venir un jour où ça te dénonce le chiffre. Ça passe. Ouais, ça passe, ouais. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, j'ai fait mon taf. Je suis très content. Ma team, elle me suit. Ça, c'est ça. C'est le plus important. N2. C'est bon. En même temps? Ouais. 1, 2, 3. Là, là. Les packs, juste les packs, tu vois. Là-bas, les packs. La manière dont on a choisi les sons, en fait, il y avait beaucoup de sons. On était 7, on a tous pris notre téléphone. Mais c'est toujours bien d'être entouré et d'être en bon délire, comme ça, pour bien travailler, quoi. Écoutez, de la première à la, je te dis, 37. Au début, 37, il y en avait, je crois. Et genre, après, à la fin, on a fait un vote final. Où elle passait en rouge, ça veut dire qu'il y avait un an. Le rouge, c'est qu'il y en a que un qui valide pas. Et s'il y avait 3 noms, c'était qu'elle n'était pas bonne pour l'album, tu vois. Et du coup, après ça, il y a eu une première sélection. Mais le problème, c'est que lui, comme je t'ai dit, il fait des sons tous les jours. Des fois, j'ai fait des sons, je m'y attendais pas, ils ont pété. Il y a des sons que je me disais, c'est une tuerie et tout. Je le sors, il n'y a rien. Avec les poteaux, c'est lui et l'ordinateur. S'il veut, il prend, s'il veut pas, il prend pas. C'est un chantier, quoi, en fait, si tu veux savoir. Là, on va se mettre en mode écriture. Là, j'ai fait l'instru, j'ai rajouté ce que je pouvais rajouter. Et là, je suis en mode écriture, je vais me mettre en mode écriture tranquille, je laisse tourner le son pendant que ça parle et moi, je note. Et voilà quoi, on regarde ce qui vient. Les yaourts aussi, c'est les yaourts. On me fait des petits yaourts. Je tente. Et voilà quoi. J'ai des tours d'écrit ma vie. Pas trop Marseille, c'est ma vie.
On joue pas la mafia. C'est ma vie. Je fais des tours, j'écris ma vie. Entre moi, c'est ma vie. On joue pas la mafia. On a les crocs, comme Marie. Je crois que je vais remonter le son, hein, ça vous gêne pas? Ouais. C'est la zone, c'est réel. Je vais faire trembler le vel. Je fais des tours, j'écris ma vie, oh. Un 3 Marseille, c'est ma ville, oh. On joue pas à la mafia. On a les crocs comme Mario. Là, faut que tu ouvres. Faut que tu ouvres jusqu'à là. Je crois qu'il est là, le début. Là, ouais. Fais voir. Un pec. C'est la zone, c'est réel. Genre pour nous, même s'il a fait en 10 minutes, c'est normal, genre. Il a fait vite fait, tac tac, on rigole, on danse. C'est, pour nous, c'est... Genre limite, s'il a fait en une heure, pour nous, c'est... Qu'est-ce que tu fais? C'est long, là, tu vois, genre. S'il le tente, c'est qu'il sait qu'il peut le faire. Et s'il le fait, ça va sonner super bien, quoi. Surtout qu'il a une maîtrise assez particulière de l'autotune, tout ça. Il se projette sur un son et il va le faire et ça va sonner comme il avait dans sa tête, en fait. Y'a pas de couteau, non, y'a pas de couteau. Et on te froid si tu sors le couteau. Celle-là, j'aime bien. Parce que des fois, j'ai des moments qu'il me faut des moments à moi, tu vois, quand je... Mais je les ai pas trop, en fait, ces moments. Et je les ai que ici, quand je suis en studio et tout. Tellement ça me manque, tu vois, ce que je veux te dire. Tellement c'est bizarre. Ça me manque, le studio. Je suis obligé de venir, de, tu vois, toucher un peu les trucs. Je me régale. Yeah. Merci, la zone. C'est la passion, hein. Gracias, la zone, mon Dieu. Toujours derrière, la vérité, c'est grave. Je sais pas comment on a fait. Je réalise que quand je fais des tours ou quoi, c'est quand ça. Les gens ils me reconnaissent. C'est la reconnaissance. C'est les gens quand ils viennent, ils sont contents, genre comme si c'était un poteau que j'avais pas vu depuis 100 ans, tu vois. Comme si tu les connaissais. Je vais te dire la vérité, je vois pas trop que je suis célèbre en fait, ça. Tu vois. Eh ouais, c'est un peu bizarre parce que voilà, genre. C'est sûr qu'il sait qu'il peut pas mener le quotidien de n'importe qui. Il en est conscient quand même. Me poser à l'escale, manger une crêpe comme ça et tout. Je me sens pas que ça parte en dédicace, tu vois, en séance dédicace, en émeute. Là, si je serais pas connu à Marseille, déjà je serais allé en ville, à Saint-Fé. À Saint-Fé. Je serais allé à Saint-Fé, je serais allé. Faire les boutiques, de partout, je serais allé. Il y a plein de trucs que je ferais. J'irais au cinéma. J'irai faire les courses. Centre commercial. Petite course, sérieux. Au calme. Si j'aurais pas connu, putain. J'aurais dû faire une Daft Punk. Hein. Je dois reprendre le sport. Et je vais voir un peu mon concert. Je verrai comment commencer à faire les répètes et tout, machin comme ça. Parce que j'ai plus fait de concert, j'ai plus rien fait. C'est-à-dire là je suis rouillé là. Là, il n'y a que des sandwichs, des McDo dans mon corps. Là. Ça, je sais que je suis attendu. Je sais que moi, une fois que j'ai appris mes sons, que je les ai réappris et que j'ai fait mon sport, que la condition physique, elle est bonne, je ne me pose aucun autre problème, à part l'entrée. Alors, je gamberge jusqu'à maintenant. J'ai demandé plusieurs trucs, mais on m'a refusé des trucs. On m'a refusé le flyboard. Je voulais rentrer en flyboard, mais c'est interdit en France. Arriver comme ça sur scène, tu vois. Apprendre et arriver comme ça. Après, je sais pas, je vais voir. Il y a peut-être des trucs plus simples et mieux. J'ai peur un peu. Je resterai toujours dans la musique. De toute façon, tout ce qui se passe, si j'arrête, c'est j'arrête que le public il adhère plus, en gros. Voilà, si le public adhère plus à mes sons et tout, je vais pas forcer, tu as vu. Je m'arrête. Mais par contre, j'arrêterai pas, moi, de mon côté. Moi, je ferai toujours des trucs pour moi et tout, parce que j'aime bien. Je sais pas, je sais rien de truc en tout cas. Parce que je sais que la musique, j'aime. Et quand je veux faire quelque chose, que je le fais à fond. Parce que ma mentalité est toujours pareille. Tout avec le cœur. Sans rien attendre en retour des gens. Et voilà, tout avec le cœur. La crise, check, mec. En fait, ce qui me gêne, moi, c'est partir longtemps et tout. Tu as vu ici à la famille, à tout et tout. J'espère que ça va continuer. C'est ça le but. Hein. Faut combattre encore, faut encore prouver pas automatiquement aux gens, mais à soi-même déjà, tu vois. Faut faire encore mieux que le précédent. Conduite de criminel, à balle dans ta ruelle, c'est la zone, c'est réel. Je vais faire trembler le bel, me faire dans les magazines, mais je fais bouger la zine. Je vais loin quand j'imagine, on m'appelle OVNI la machine. Ah ouais, là, hop. Encore un album.
Ha ha ha.